Cette église est importante dans l'histoire des Acadiens pour le fait qu'elle a été construite par les Acadiens locaux. C'est la plus grande église en bois en Amérique du Nord. Elle a été construite dans une période de 2 ans, en 1903 à 1905. Et celui qui était en charge de la construction s'appelait Léo Melançon. Il ne pouvait ni lire ni écrire. Alors c'était le curé de la paroisse qui lisait les plans et qui lui disait qu'est-ce que ça disait sur les plans pour savoir comment mesurer le bois. L'église mesure 190 pieds sur la longueur, 135 pieds sur la largeur, le clocher s'élonge 185 pieds et le plafond est à 63 pieds. Le clocher était originalement 200 pieds de haut, mais en 1914, il était frappé par le tonnerre et ça a mis le feu. Et presque aussitôt, il a commencé à pleuvoir et ça a éteint le feu. Alors, ça a tout baissé d'environ 15 pieds. L'église est supportée par 10 grosses colonnes. Ces colonnes sont des arbres entiers environ 70 pieds de long, qui portent sur la fondation et qui vont jusqu'au toit. Avec M. Melançon, il y a 1500 bénévoles qui ont travaillé sur la construction pendant les 2 ans. Et ça, c'était du monde qui était des fermiers, des forestiers et des pêcheurs. Et ils travaillaient sur l'église dans leur temps en haut du travail.